Salut, moi c'est John. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une cabane à la montagne. J'adore la nature et dans mes vidéos, vous pouvez voir comment j'aménage la cabane ou quand je pars en randonnée ou en bivouac. Ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, on est avec mon pote Alain. On a fait du bois, on a débroussaillé. Il fait très froid. Il doit faire 3-4 degrés peut-être. Et donc, il faut bien qu'on se réchauffe. Là, on va faire une pause, on va manger. Et ensuite, on va essayer de fabriquer un chevalet ou une chèvre, comme certains disent, pour couper le bois. Allez, on s'est coupé 4 pieds, donc maintenant on a tracé, on va faire des encoches pour pouvoir bien les croiser. Là, on a fait la première encoche, on les a positionnés et puis je vais simplement tronçonner autour. Voilà, c'est prêt. À l'ancienne, à la main. On va faire la suite maintenant. Donc là, il faut qu'on mette une cheville et on va la fabriquer, on va la sculpter.
Ben, ceux qui s'y connaissent, ils auront su reconnaître que la chaîne n'est pas du tout affûtée. Mais sinon, la chèvre, ça marche super bien. C'est cool. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a réussi à faire ce qu'on voulait avec Alain, une chèvre qui est là. Et on a réussi aussi à faire les petites chevilles en bois qui sont là. Avec ça, on a fait du bois, hein, c'était le but. Il est tout là. Dernière chose, hier soir au coin du feu, j'ai peaufiné une cuillère à soupe, ou plutôt une cuillère en bois pour cuisiner. La voilà, elle est bien mastoc, bien costaud. L'autre fois c'était une cuillère à café, cette fois c'est pour cuisiner, et celle-là elle va bien durer longtemps. J'ai fait le creux dans le nœud, ça fait très très joli. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les nouveaux, ben, pensez à vous abonner, comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos. Partagez, likez, commentez, tout ce que vous voulez pour faire vivre cette chaîne et m'aider à la faire grandir. En attendant, je vous souhaite de profiter de la nature. Si vous ne pouvez pas, ben, profitez-en à travers mes vidéos et à travers les vidéos des collègues youtubeurs. Et je vous dis à très très bientôt, à vendredi prochain sur YouTube. Ciao ciao, bye bye.